Notre projet de renouvellement continue à pleine allure. Mais vu qu'on n'avait plus nécessairement des murs physiques auxquels on devait songer puis se préoccuper, on a été capable de recréer une vision nationale. Peut-être au cours des dernières 10 années, on avait perdu un peu notre sens national. On avait commencé avec des programmes d'énergie à avoir une vision plus nationale, une vision plus pan-canadienne de nos projets. Mais avec la fermeture du musée, qu'est-ce que ça nous a permis? C'est de redéfinir notre rôle national. On a réétabli des liens en recherche. On a des expositions itinérantes. On a également des projets numériques à travers le pays. On a des nouveaux partenariats à travers le pays. Notre présence nationale n'a jamais été plus grande que qu'est-ce qu'elle est présentement. Puis, heureusement et malheureusement, c'est complètement relié à la fermeture du Musée de sciences et technologies. Donc, pour nous, notre gros challenge va être de ne pas perdre cette vision nationale-là une fois qu'on retrouve nos murs.